Hey, salut tout le monde, ici Zang, on se retrouve une nouvelle fois pour A Plague Tale Innocence. Nous venons tout juste de nous faire assommer et capturer du coup. Et visiblement, quelqu'un serait prêt à payer une rançon pour nous avoir vivants. Sinon, on serait déjà mort. Les deux pilleurs qui nous ont utilisés comme appât pour s'enfuir sont venus nous délivrer, donc ça c'est plutôt sympa. Avec un look. Très discret, j'ai envie de dire. Nous devons retrouver le petit frère pour nous en sortir, sachant que là, nous n'avons plus notre fronde, nous n'avons plus rien. On a quand même notre soufre sur nous. On n'a plus accès à l'inventaire non plus. Bon, donc là, c'est vraiment la phase d'infiltration pure et dure. Alors. D'accord. Les cruches là-bas, trop mal placées. Ah, la charrette, très bonne idée. Tiens-toi prête. Prête à quoi? À me coller au train. Alors, c'est ton frère? Ouais. On y va. Bon, ta frère et une sœur. Un peu de cuir. On va peut-être pouvoir améliorer notre petite fronde. C'est une ruse des Valois. On doit se frayer un chemin. Non. Les rats ont décimé des villages Valois. Tu as vu ça? Ça fera pas assez de bruit. Tâchons. Le bras zéro, c'est du métal. Non, on va être bloqué. Et c'est que le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prête. Bon. Le roi Édouard doit rapatrier nos troupes. C'est pas super super compliqué comme zone. Je pensais vraiment que ce serait un peu plus compliqué. C'était quoi ça? Normalement j'aurais pas touché. C'est ça la guerre. Oh. Voilà comment on enseigne la discipline à un Valois. Hey, reste baissé. Tu es deux chevaliers français hier. Ouais, et c'était pas dur. Tant les yeux. On la charge sans réfléchir. Je suis un Valois. Les héros et leur armure qui brille. Suffit de trouver la brèche et hop. Allez les gars, meilleur sirmet. Ils tiendront pas. C'est quand même assez horrible. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. La Guyenne est de nouveau. Faut s'en prendre à la bouche. Ouais, t'as l'œil, dis donc. On les repousse avec des. On y va, à gauche. Fais attention, tu connais les ordres. Bon. On va retrouver le frère. Les enfants de Valois. Le fils et la fille du chevalier Robert de Rune. Le chevalier à l'arbre. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait sont célèbres. Mais il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange en effet. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Heureusement qu'on arrive pile poil à la fin. Voyons voir. Ça. Et ça. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvetage. Voilà ce que je fais. Pourquoi et ce pas coffre votre... alors? J'ai vu. De la poudre. Sans doute du matériel alchimique. Aucun intérêt. Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Dis-moi. Je veux bien.
Ok. Et du coup, on va pouvoir crafter un truc qui est en dehors. Ça, je pense. Bon, on n'y a toujours pas le droit. Ah, c'est bon. Je vois 2, 3, c'est vraiment nombreux, 4. On va manquer de pain et de vin. 5, 6, ah ils sont vraiment nombreux. À chaque victoire, c'est pas... Mon petit canard. C'est passé, non? De justesse. Il est immense le camp, c'est ouf. C'est mon frère, on dirait, oui. Vite. Viens te chercher. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Et Amicia, où elle est? Ma sœur. Je crois qu'on va la garder avec nous, pas vrai, les gars? Oh, s'il vous plaît. Réjouis-toi d'être encore vivant. C'est une chose rare ces temps-ci. Hé hey, la fille, la fille. Hein? Quoi, la fille? Elle s'est échappée. La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde. Dispersez-vous. Surveillez les portes. Et restez sur vos gardes. Une cage s'ouvre pas comme ça. C'est peut-être un coup des Valois. Profitons-en. Ok. Hugo, je suis là. Amicia, ça va? Tu n'as rien? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Ça va. Le coffre n'est pas loin du tout. Allez. À toi, Amélie. Ah. Non, Hugo, je dois décrocher sa cage. Non, déjà, on craft. Mais on ne peut rien faire. Tout va bien, Hugo. Ça faisait peur. Je ne veux plus avoir peur. Oh bah. Ah. Comment est-ce qu'on peut faire? Bon, enfin, la fronde est censée faire du bruit, la cage en fer est censée faire du bruit. Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia. Oh, ils pensent que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois. Je suis là. On reste ensemble, hein? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure. Hein, Mélie? Ouais, ouais, je suis une vilaine fille. C'est bon, on peut se tirer. Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord, il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Alors. Le passage. Hop. Voilà. Alors, comment on fait pour passer? Non. Bon, bon, on va voir. Ok. Toujours rien. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas sortie du camp? Répartissez-vous, séparez-vous et faites attention aux tentes. Merci. Je veux des hommes du côté du rempart est. Allons. Hey,
Mais non, mais. Ok. Désolé. Mais t'étais un peu sur mon chemin. Lily, tu peux t'en charger? Oui. Aucune trace. Ah. On va pas hésiter à le buter lui non plus. Vous en voulez encore? J'en ai encore. Je pourrais tous les tuer, je pense. C'est cette pierre, ça devrait pas poser de problème. Désolé si je parle pas beaucoup, mais je suis relativement concentré, j'aimerais bien ne pas me faire choper. Eh bien si. Parce que nous sommes discrétion. Ça m'étonne qu'il y ait aucun collectable sur notre route. C'était quoi? Allez bien. Aucune trace. On va passer par là. Et vous êtes pas aperçu que le psy était parti? Comment on fait pour le passer? On a juste à passer derrière. Comme ça. Ah. Ça, c'est pas de chance. Ah, ils ont de la poudre, du coup. Et c'est reparti. On a dit celui-là. Là, il faut faire tomber l'échelle. Il faut quand même être un minimum discret, du coup. Je sais pas, il y a tout le monde qui gueule, alors au bout d'un moment. Survivre et s'échapper du camp. Allez, vas-y, viens. Non, mais j'ai lâché avant. Je voulais pas me faire repérer et. Et du coup, j'enchaîne les morts. Quelque chose à ramasser? Non. Non. Ouvrez la porte, ils sont là. Allez-y, je m'en occupe. Il n'y a pas de place pour vous là-dehors. Fermez-la, fermez-la. Laissez-nous sortir. Ouais. Amicia, ramène-toi.
Bon. En fait, en termes de timing, c'était tout juste. Elle a eu de la chance, hein. C'est quand même assez bien foutu, faut le reconnaître. Eh bien, c'était un chapitre assez court, je ne m'y attendais pas. Quoique, c'est juste la sortie du camp, donc en fait, si c'était prévisible. Nous allons voir qui sont les deux pillards qui nous ont foutu dans la merde et sauvé la mise. On a été mieux avec son masque. Tu sais où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas, il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Dans notre château? Alors on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. C'est quoi les marques qu'il a au cou? Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Bref, on aura les réponses à ces questions un petit peu plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est relativement courte. Je vous dis à très vite pour le chemin qui nous attend, donc le chapitre 7. Ciao tout le monde!